mariage. Jadis, porte son propre sujet habituel. Un mot porte son habit habituel. Des habitudes bien déterminées. Tout le monde en sait ce qu'il contient. Et alors, maintenant, ici et là, pour tout ce qu'il emporte, pauvre mot, mariage, mortus qu'il est. Ah, l'autre qui n'ont pas la même forme, ni même matière, avait violé ce qu'il emporte pour quelque chose de mieux. Pour qui? Mieux. Pour qui? Par quel savoir? Par quel droit et devoir? Certainement, l'argent se déguise en intelligence profiteuse. Règleuse, conditionneuse, soit respecter sa nature jadis, soit changer ou violer ou évoluer en douceur sa nature requise. Mortus en métamorphose, mariage ou femme-âge. Mariage, femme-âge. L'union d'un seul même droit dont il ne contient plus devoir, la même réalité. Et les mêmes sujets. Mais l'objectif, il n'y est au rendez-vous. Et alors, quoi? À quoi bon se compliquer la vie? Bon. Ou peut-être peut-on créer un autre mot pour dessiner les mêmes droits. Pour y arriver, quelle époque se dérivons? Courage, l'intelligence dans l'art d'interprétation. Ah, si seulement l'un peut inviter l'autre à être dans sa pensée à la profondeur
de ses raisonnements. Bien, moi, j'aimerais y être. Voir la racine qui anime cette force ancestrale. Si on a